Je suis dispatcher, donc on est une équipe qui se relaie 24 heures sur 24 pour assurer que tout fonctionne au niveau de la production avec nos aménagements. Et en parallèle, on développe pas mal d'outils pour optimiser au mieux la production. Alors, étant sensible à la cause environnementale et un grand amoureux de la nature, j'ai réalisé mes études dans le secteur énergétique pour relever en tant qu'ingénieur fraîchement diplômé le défi de la transition énergétique. Puis la Suisse, c'est un pays chanceux qui a un fort potentiel hydroélectrique. Et c'est un domaine fascinant qui a beaucoup d'avenir. Depuis tout petit, je me balade autour des barrages et ils m'ont toujours beaucoup inspiré. Et en travaillant chez Alpiq, la première fois que j'ai pris les commandes ou alors visité ces aménagements, c'était comme un moment très spécial. J'essaie d'apporter un maximum de bonne humeur, de dynamisme et de m'investir dans des projets diversifiés autant que possible, mais aussi en parallèle dans la vie d'entreprise, notamment sur les sorties sportives, par exemple. Sortie vélo en after work avec des collègues. Je fais beaucoup de sport en montagne, du trail, du ski de rando ou du vélo. Et ce sont des moments uniques que j'adore partager avec mes amis, ma famille et mes collègues. Et on a la chance d'habiter dans le plus beau pays du monde, donc j'en profite autant que possible. C'est là que je puise mon énergie pour travailler chez Alpiq. Alors Alpiq, c'est un gros producteur d'électricité, mais ça reste malgré tout une boîte à taille humaine, avec de super conditions de travail. Et ayant également travaillé dans une grande multinationale, on ressent chez Alpiq vraiment une super ambiance et un bon esprit d'équipe.